Jeune sans emploi n'est pas digne. Il ne peut pas fonder une famille. Il ne peut pas aider ses vieux parents qui ont tout investi pour sa formation. On reste indifférent. L'État d'Alpha Condé ne s'occupe pas des jeunes. C'est le slogan creux. Autosuffisance alimentaire, c'est l'année des jeunes. Maintenant, je le consacre aux jeunes. Mais qu'est-ce qu'il y a concrètement pour les jeunes? Les jeunes n'ont pas d'emploi. Nous ne voulons pas de slogan. Nos paysans ne sont pas aidés, les femmes ne sont pas aidées. Nous mettrons en place un système de crédit qui permettra aux gens de s'émanciper. J'avais dans mon portefeuille de projets non réalisés la route Lola Danané, étudiée complètement. Je vais aménager et bitumer la route Lola Danané. Et ça, c'est ensemble, nous le ferons. Merci beaucoup. L'ampleur de votre mobilisation. Mais je sais que j'ai en face des citoyens guinéens qui ont pris conscience de l'incapacité de M. Alpha Condé de faire face à ses responsabilités de président de la République. La jeunesse est abandonnée à elle-même, elle est désœuvrée, elle n'a pas d'emploi. Tout ce qui est contrôlé par l'État et aujourd'hui utilisé pour le troisième mandat. Tous ceux qui gèrent des fonds publics, Alpha Condé ne leur demande aucun compte sinon d'être debout pour le troisième mandat. Et toutes les ressources
sont utilisés pour son troisième mandat. Et ceux qui parlent n'échappent pas à cette règle, parce que vous savez, les travailleurs ne sont pas payés à bonne date. Les fournisseurs de l'entreprise ne sont pas payés à bonne date. Lorsque vous aurez élu le 18, votre président, il sera le président de tous les Guinéens. Il va rassembler, réconcilier, susciter la confiance, promouvoir la fraternité. Alpha Condé est champion de la violation des contrats. Il n'a pas le sens de l'honneur de la parole donnée. Il ne respecte pas ses promesses. Je vous ai dit qu'Alpha n'a pas de lecteur. Mais il a une armée de fraudeurs. Ils viennent avec des PV vierges. Ils remplissent à l'avance. Et puis ils disent qu'Alpha a gagné. Alors cette année, il est hors de question d'accepter la fraude. Vous allez voter, surveiller, sécuriser. Et si jamais, par la ruse, on proclame des résultats faux qui ne reflètent pas la vérité des urnes, il faut que la jeunesse se mobilise et on sera ensemble quoi qu'il arrive.